Bring the meeting back to order. Next, we have presenting will be Jean-Philippe Sapinski with l'Université de Moncton. His presentation will be virtual. And Mr. Sapinski, do we have you on the line? Can you hear us? Yes, I can hear you. Excellent. So just to let you know how we've been formatted here today is we'll allow for a 20-minute presentation from your end, followed by 12 minutes of questions from each of the official opposition, government side, and the Green Party. At the end, you'll be afforded a moment or two to make some closing remarks. And at this time, I'll just turn the floor over to you, and you can begin with your presentation. Okay, merci beaucoup. Merci au comité de m'avoir invité à vous rencontrer cet après-midi. Avant de commencer, juste dire quelques mots sur moi, puis sur mes domaines d'expertise. J'ai complété un doctorat en sociologie à l'Université de Victoria en 2015, avec des concentrations en économie politique, en politique énergétique et en changement social. J'ai aussi fait un stage postdoctoral à l'Université de l'Oregon aux États-Unis, dans les mêmes domaines. Et puis, depuis 2018, je suis au Nouveau-Brunswick. Je suis professeur à l'École des hautes études publiques et puis professeur attitré à la maîtrise en études de l'environnement à l'Université de Moncton. Je vais parler du portrait général de l'écosystème des entreprises qui travaillent au développement des petits réacteurs nucléaires. Je me base en partie sur l'évaluation indépendante du comité d'experts et d'expertes des National Academies of Science, Engineering and Medicine aux États-Unis, qui est paru en 2022, et puis d'autres publications pertinentes du même niveau. Mes références sont disponibles dans les documents que j'ai fait distribuer. Ce que je vais discuter aujourd'hui, c'est je vais répondre à deux des arguments principaux des compagnies qui sont actives dans le secteur, dans la recherche et développement des petits réacteurs nucléaires. Premièrement, je vais examiner l'affirmation selon laquelle les petits réacteurs nucléaires modulaires peuvent être produits à faible coût. Deuxièmement, je vais rapidement examiner l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une technologie qui va contribuer à faire face à l'urgence climatique. D'abord, en termes de coûts, on peut voir la première diapo. Présentement, l'électricité nucléaire est une des manières les plus chères pour produire de l'électricité. Le graphique que je vous ai fait parvenir présente le coût actualisé de la production d'électricité selon différentes sources. C'est tiré d'un rapport très récent de la banque d'investissement Lazard, basée à Wall Street. Le coût actualisé, c'est une mesure qui tient compte du coût d'investissement sur toute la durée de vie des infrastructures de production d'électricité. Le coût est indiqué par mégawatt-heure produit au cours de toute la vie d'une infrastructure. Ça permet de faire une comparaison rigoureuse entre les différentes façons de produire de l'électricité en termes d'investissement nécessaire puis de coût de production. D'après les chiffres de Lazard, si on fait le calcul, on voit rapidement que la production d'électricité nucléaire coûte présentement entre 2,5 et 8 fois plus cher que les énergies renouvelables éoliennes et solaires pour ce qui est des installations existantes présentement. L'argumentaire veut que la construction modulaire des petits réacteurs nucléaires, qu'on dit modulaires, la construction en usine de ces nouveaux modèles-là va permettre de faire diminuer les coûts de production d'électricité nucléaire, ce qui, en retour, va permettre de faire face à la crise climatique à un meilleur coût. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que, dans mon évaluation, je pense que l'argument ne tient pas la route. Il y a plusieurs raisons à ça. Il existe d'autres coûts qui ne sont pas affectés par la construction en usine. Il y a des coûts pour assurer la sécurité des sites, des coûts d'assurance qui peuvent être assez élevés dans le cas de réacteurs nucléaires, qui vont rester les mêmes ou sensiblement les mêmes pour les petits réacteurs modulaires. Deuxièmement, il y a une raison si les réacteurs actuels sont gros. C'est parce que la grande taille permet des économies d'échelle. Par exemple, si on double la taille d'un réacteur, on n'utilisera pas le double des matériaux ni des coûts de main-d'œuvre. Ça va être réduit d'un certain facteur. Mais si on laisse de côté ces raisons-là, la raison principale pour laquelle je pense que la promesse de diminution des coûts va être très difficile à réaliser, la raison principale, ça a à voir avec le potentiel de commercialisation de la technologie. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. C'est de ce potentiel de commercialisation-là que dépend la production de masse en usine qui permettrait de réduire les coûts tels qu'annoncés.
D'abord, si on regarde la deuxième diapo, le deuxième graphique, mon analyse de marché, à moi, est beaucoup moins enthousiaste que celle des personnes qui représentaient ARC ce matin. Le graphique qui est présenté montre l'estimation qui est faite par l'Agence internationale de l'énergie de la production électrique en 2030 et en 2050. Pour rappel, l'Agence internationale de l'énergie, c'est l'organisme international de référence à travers le monde pour les scénarios d'évaluation de la demande en énergie. Elle produit le rapport World Energy Outlook chaque année, qui montre toutes sortes de prévisions sur l'évolution des marchés de l'énergie. Donc, le graphique ici présente le scénario le plus optimiste des trois qui ont été évalués dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est le scénario qui est le plus optimiste en faveur du nucléaire. C'est un scénario où on présume qu'on atteint la carboneutralité en 2050, ce qui est ce à quoi veut contribuer très légitimement la compagnie ARC. Donc, l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport, prévoit une augmentation de la production de 40 % de la production d'électricité nucléaire pour 2030 et un doublement de la production d'électricité nucléaire en 2050. C'est une croissance qui est en dessous des prévisions de croissance mondiale, selon les chiffres de la firme comptable PricewaterhouseCoopers. Pour un marché qu'on dit d'avenir, on s'attendrait à une croissance qui serait en fait plus forte que la moyenne. On aimerait même voir, d'un point de vue d'investisseur, une croissance qui est semblable à celle qui est prévue pour les énergies renouvelables qu'on voit sur la ligne verte en haut du graphique. Donc, du côté du renouvelable, on parle de 540 % d'après ce scénario-là, 540 % de croissance en 2030. Et donc, en 2030, on atteindrait 61 % du marché de l'électricité produite par du renouvelable. Pour 2050, on prévoit que l'électricité renouvelable fournirait 88 % de la consommation. On voit que ça laisse très peu de place sur le marché de l'électricité pour les autres types de production. Que la demande pour l'électricité nucléaire promet d'être plutôt faible. Pour continuer, j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme des personnes qui représentaient ARC ce matin par rapport à leur projet. C'est très intéressant de les entendre parler du côté ingénierie. J'ai aucun doute sur leurs compétences à ce niveau-là. D'après mon analyse de l'économie politique du secteur des petits réacteurs nucléaires, j'ai des gros doutes sur la possibilité que les compagnies qui sont soutenues par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada en arrivent à tirer leur épingle du jeu à moyen et long terme dans un champ qui est très compétitif présentement. Si on regarde la diapo numéro 3, la troisième diapositive, oui. Dans la recherche et développement des nouvelles technologies de petits réacteurs nucléaires, on trouve aujourd'hui presque 20 joueurs et puis à peu près autant de technologies différentes. La taille de ces joueurs-là est très inégale. On trouve des petites startups, des startups avancées qui sont bien financées, par exemple TerraPower, financées par Bill Gates, fondées par Bill Gates et financées par lui. Et on trouve aussi des compagnies multinationales, entre autres Westinghouse Electric, qui a un chiffre d'affaires de plus que 4 milliards de dollars américains et qui est déjà un joueur majeur de l'industrie nucléaire présente. On voit que le marché est très compétitif et il y a un fort potentiel qui soit dominé par les compagnies qui sont déjà établies, déjà grosses aujourd'hui, ou qui bénéficient du soutien de milliardaires pour leur financement. En plus, il s'agit pour la plupart de ces compagnies de compagnies américaines. Le programme de financement du gouvernement des États-Unis est très agressif. On a subventionné un certain nombre de compagnies à hauteur de 5,6 milliards de dollars américains. Comme c'est indiqué sur la diapo, les compagnies américaines bénéficient aussi d'un montant important de financement privé. En comparaison, les investissements des gouvernements provinciaux et fédéraux au Canada sont de l'ordre de quelques centaines de millions. Tout ça pour dire que même si un marché modeste est établi à partir des années 30, c'est à peu près certain que ça n'arrivera pas. Mais même si un tel marché est établi, ce serait
en toute probabilité les gros joueurs des États-Unis qui sont bien financés, qui sont établis, qui vont capturer le marché. Leurs prototypes vont être prêts en premier. Ils sont déjà à un état plus avancé et puis ils vont être prêts en premier. Ils vont pouvoir potentiellement réaliser les économies d'échelle via la production de masse. Et donc, ce serait eux qui fourniraient la plupart de la demande en électricité, la demande qui ne va pas augmenter de façon dramatique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, les petites startups d'aujourd'hui ont toutes les chances d'être laissées derrière. Et donc, les sommes qui sont offertes par les gouvernements fédéral, provincial, étant donné qu'elles ne peuvent pas compétitionner avec ce qui est offert aux États-Unis, je pense qu'elles ne permettraient pas de rattraper en termes de compétitivité les compagnies mieux financées. Et donc, ce que je conclue, c'est que si on adhère strictement au principe de bonne gestion des fonds publics, bien on comprend assez vite que les montants seraient beaucoup mieux investis. Les montants et le soutien, autant en nature qu'en argent, évidemment, seraient beaucoup mieux investis dans le secteur des énergies renouvelables, solaire, éolienne, géothermique, qui sont des investissements qui vont permettre de maintenir les tarifs d'électricité à un niveau raisonnable, en accord avec la loi sur l'électricité. Et puis qui sont aussi des secteurs où la création d'emplois est très dynamique présentement et promet de croître à une vitesse encore plus grande dans le futur. Donc voilà pour les aspects économiques des projets de petits réacteurs nucléaires, selon mon analyse des documents disponibles. Maintenant, juste quelques mots pour finir sur la situation d'urgence climatique. Et puis le potentiel des petits réacteurs pour faire face à la crise présentement. Donc, si on va voir le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, c'est un groupe de plus d'un millier de scientifiques qui réalise une synthèse de la recherche sur la crise climatique. Donc, le dernier rapport a revu toute la littérature scientifique qui a été publiée entre 2014 et 2021. Et d'après leur revue de cette littérature, les émissions de gaz à effet de serre doivent plafonner en 2025 et avoir diminué de moitié en 2030. Donc, si on met ces dates-là en parallèle avec l'échéancier des compagnies elles-mêmes, les compagnies les plus avancées prévoient pouvoir mettre en marché un premier module, non pas un réacteur, une installation complète, mais un premier module en 2029. Produire de l'électricité en 2029. C'est la compagnie New Scale Power, je pense, qui fait cette promesse. Donc, si un premier module produit de l'électricité en 2029, ça veut dire que c'est encore à l'état expérimental. Et donc, si on doit avoir diminué de moitié les émissions en 2030, je pense que c'est assez évident que les petits réacteurs nucléaires ne peuvent pas jouer le rôle de rôle majeur dans la décarbonisation des économies, même d'après leur échéancier optimiste, l'échéancier des compagnies engagées dans le secteur. Je fais remarquer aussi que les membres du comité d'experts des National Academies of Science, Engineering and Medicine sont beaucoup moins enthousiastes et ne voient aucune possibilité de mise en marché avant 2050. Donc, on en conclut assez vite que la question de l'urgence climatique n'est pas compatible avec l'échéancier de production des petits réacteurs nucléaires. Voilà pour les raisons que j'ai présentées, les raisons économiques et les questions d'urgence climatique. Ma recommandation serait que le gouvernement du Nouveau-Brunswick cesse d'investir en argent et en nature et en soutien dans la filière nucléaire et dirige plutôt les sommes qui sont disponibles pour soutenir des technologies existantes qui ont été développés depuis des dizaines d'années, l'éolien, l'énergie solaire et possiblement aussi l'énergie géothermique, qui peuvent être installées rapidement. Pour l'énergie éolienne, on parle d'une installation à peu près de 1 à 3 ans. Pour l'énergie solaire, dépendant du type d'installation, ça peut être encore plus rapide. C'est de ça qu'on a besoin face à la crise climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un portfolio d'investissement dans une transition énergétique qui serait réaliste et qui aiderait à maintenir les coûts de l'électricité au plus faible. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions en français ou en anglais, selon votre préférence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sapinski. On va commencer maintenant avec nos questions. Ça va commencer avec l'opposition officielle, puis M. Lepage, si tu veux commencer avec votre question.
Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, professeur. C'est toujours intéressant de vous entendre parler sur les enjeux. Je vais aller directement, parce qu'on est très limité en temps, donc je vais y aller sans trop de préambule, directement avec les questions. Dans toute votre analyse, vous avez parlé de coûts de production, l'analyse, mais j'ai jamais entendu le mot « fiabilité » par rapport aux énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce qu'on connaît la production, on sait qu'en production, on peut la faire et on peut voir les résultats, mais lorsqu'on parle de fiabilité sur le réseau ici au Nouveau-Brunswick, comment vous envisagez la fiabilité d'un réseau avec autant d'énergie renouvelable sur le grid? C'est une question très importante. Merci beaucoup de la poser. En termes de fiabilité, bien écoutez, d'abord, on sait que les énergies solaires et éoliennes sont intermittentes. Maintenant, les solutions qui sont proposées et qui sont déjà discutées, entre autres autour de la question de la boucle énergétique qui relierait le Québec aux provinces de l'Atlantique, serait une excellente façon, je pense, de pallier aux questions de fiabilité. Je pense que la démonstration est faite en termes de bris d'équipement et de périodes où les équipements ne fonctionnent pas. Les énergies solaires et éoliennes, quand elles sont intégrées à ce qu'on appelle une smart grid, une grille d'électricité, un réseau de distribution d'électricité intelligent, il y a moyen de compenser. Si le territoire couvert est assez grand, il vente à un endroit pendant qu'il ne vente pas à l'autre. Il fait soleil à un endroit, il fait moins soleil à l'autre. Et donc, l'électricité peut être réacheminée à travers le réseau. Et en termes de fiabilité, je ne peux pas parler pour les petits réacteurs nucléaires puisqu'il n'y en a aucun, il n'y a pas de modèle dans ce qui est discuté qui est testé à grande échelle. Mais les réacteurs nucléaires existants sont parmi les sources les moins fiables pour produire de l'électricité. Elles sont très souvent en panne et donc c'est très difficile de voir comment l'énergie nucléaire peut fournir la charge de base, le base load. Pour maintenir le réseau. Présentement, au Nouveau-Brunswick, le base load provient de la centrale au gaz de Coulson Cove, avec un appoint de la centrale de Belle-Dune au charbon. Donc, si on veut éventuellement fermer ces deux centrales-là, ce que je pense doit être fait rapidement pour atteindre les objectifs climatiques et puis pour assurer une chance d'atteindre, de ne pas dépasser les seuils critiques de réchauffement de la planète, je pense qu'on doit vraiment se tourner vers les sources d'énergie renouvelables et puis s'assurer de l'intégration à réseau. L'autre aspect qui est très important, c'est de réfléchir à comment on peut diminuer à la consommation. C'est très beau de vouloir mettre des autos électriques partout. La quantité de nouvelles installations qui sera requise pour ça est inimaginable si on veut tout électrifier. Et donc, la première étape, d'après les informations d'Énergie Nouveau-Brunswick elle-même, on a sur leur site une belle pyramide. Et à la base de la pyramide, ce qu'on trouve, c'est la réduction de la consommation. Deuxième étape de la pyramide, bien, c'est l'efficacité énergétique, donc l'isolation des maisons pour diminuer la demande en électricité. Et tout en haut de la pyramide, c'est là qu'on trouve les énergies renouvelables qui vont pouvoir pallier au reste de la demande une fois qu'on aurait réduit au maximum. Bon, évidemment que c'est toutes des choses qui doivent être faites en même temps, mais il faut penser à réduire la consommation pour que les plans d'installation d'énergie renouvelable soient réalistes. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien, merci. Mais vous avez effleuré la composante Québec vers l'Atlantique. Est-ce que vous avez fait des analyses ou des études ou est-ce que vous avez un portrait aussi détaillé que ce que vous nous avez présenté vers l'achat d'électricité ailleurs? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que cette analyse-là est faite ou est disponible de votre part? Le Nouveau-Brunswick achète déjà de l'électricité au Québec. Mais je suis pas au courant des analyses du réseau intégré à Québec-Atlantique. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu le temps de m'informer pour l'instant. Si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de le faire. Non. Bien, c'est juste qu'on essaie aujourd'hui et dans les prochains jours de comparer des pommes avec des pommes un petit peu. Puis je voulais juste m'assurer que l'information était disponible ou pas disponible. Ici, je vais faire la lecture vraiment de la question parce que même pour moi, elle est complexe.
Dans votre article intitulé « Corporate Climate Policy Planning in a Global Policy and Network Analysis », vous postulez que de nombreux capitalistes perçoivent les changements climatiques comme l'un des plus grands défis à l'accumulation du capital. L'un des mérites vantés par les partisans des réacteurs modulaires est que cette technologie réduit les émissions de gaz à effet de serre. Comment cela s'inscrit-il dans vos conclusions sur le capitalisme climatique? Très intéressante question. Je suis ravi de voir que vous êtes allé chercher un de mes articles. Donc, si j'essaie de faire ça court, je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce qu'on a vu depuis les années 90 se développer, c'est une division en termes de stratégie parmi l'élite économique mondiale. D'une part, il y a certaines entreprises et certaines personnes qui ont décidé d'aller de l'avant avec les énergies fossiles et d'entrer dans le système du déni du changement climatique et donc de financer des organisations pour produire du matériel qui jette des doutes sur la science climatologique. D'autre part, il y a une partie de l'élite économique qui a décidé de prendre le chemin inverse et puis qui a vu une opportunité d'affaires. C'est-à-dire qu'il a vu qu'on devrait faire face à la crise climatique et qu'il y aurait moyen de développer des nouveaux produits, de développer des nouvelles entreprises pour soutenir la transition énergétique. Donc, ici, c'est évident que Arc Nucléaire et Moltex et les autres compagnies impliquées dans le secteur reprennent ce discours-là, le discours de « oui, il faut faire quelque chose, l'urgence climatique, on vise la carboneutralité en 2050 ». C'est fantastique d'entendre ça du milieu des affaires parce que ça a été un discours militant pendant longtemps, simplement. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine transition qui maintenant est bien enclenchée. Donc, les entreprises des secteurs, l'énergie renouvelable qu'on a dit, puis les entreprises d'énergie nucléaire qui essaient de se greffer à ce mouvement-là dans le secteur des transports également. On voit les entreprises automobiles comme Tesla qui ont connu une croissance très forte depuis sa création et qui misent donc sur cette transition énergétique-là. Maintenant, pour le nucléaire, comme j'ai dit, j'ai des gros doutes quant au coût de production et puis à la possibilité d'établir un marché. Donc, est-ce que ça s'inscrit dans cette transition-là? Au niveau du discours, oui, ça s'inscrit là-dedans. Au niveau de l'analyse économique et puis de l'analyse climatique qui a été présentée, on remarquera que les gens de ARC ce matin parlaient de l'horizon 2050. Malheureusement, l'horizon 2050 est très loin et puis si on pense juste à 2050, on va manquer le bateau et puis on n'arrivera pas à réduire nos émissions. Il faut les réduire maintenant. Il aurait fallu arrêter toute construction d'infrastructures fossiles il y a au moins 5 ans. L'Agence internationale de l'énergie nous disait l'an dernier qu'on devait arrêter immédiatement. Donc, c'est ça qu'on regarde présentement, c'est d'arrêter l'expansion des énergies fossiles. Et donc, l'argumentaire des compagnies nucléaires, c'est qu'elles peuvent être un joueur. Malheureusement, je ne crois pas qu'elles peuvent être un joueur pour des raisons strictement économiques et de durée de temps, d'échéancier. On a besoin des joueurs qui sont déjà prêts à produire de l'électricité tout de suite. Et donc, le nucléaire n'est pas prêt, malheureusement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien, merci. Est-ce que, selon votre expertise, la production nucléaire pourrait réduire les gaz à effet de serre? On décrit le nucléaire comme émission zéro à la production. Donc, quand une centrale nucléaire fonctionne pour produire de l'électricité, il n'y a rien qui est brûlé. Donc, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de dégagement de gaz à effet de serre. Maintenant, la construction des édifices et tout ça implique l'utilisation de machinerie, l'incorporation de ciment, qui sont productrices de gaz à effet de serre. Donc, il y a une certaine production d'émissions de gaz à effet de serre qui est reliée au nucléaire, mais c'est effectivement une production moindre là, quand l'électricité est générée. Ouais. Merci. Dans votre première diapositive aussi, vous parlez de les coûts actualisés de l'électricité selon la durée de vie.
On sait que la durée de vie, on prévoit ce qu'on a vu, on a entendu ce matin, le nucléaire avec une longévité de 60 ans à 80 ans dans avec le module qu'on nous a proposé ou qu'on nous propose. Est-ce que, puis on sait que l'éolien et la géothermie et le solaire, c'est, l'équipement est beaucoup moindre que 60 ans. Est-ce que votre analyse prend en considération qu'il faut la remplacer à toutes les 10 ans ou à toutes les 15 ans, ou est-ce que c'est vraiment sur uniquement la production de une fois? L'analyse, ce n'est pas mon analyse, ça, c'est l'analyse de la banque Lazard sur Wall Street. C'est une analyse. Le coût actualisé, c'est que ce que ça fait, c'est que ça prend en compte la durée de vie de l'équipement, comme vous dites. Par rapport au nucléaire, ici, la diapo, ce qui est illustré, c'est le nucléaire existant. Les petits réacteurs nucléaires éventuels ne sont pas inclus là-dedans. Évidemment, comme c'est un coût actualisé sur la durée de vie de l'équipement, si on veut faire diminuer le coût actualisé, bien, on a avantage à étendre la durée de vie, ou en tout cas faire promettre une longue durée de vie, ce qui ferait, dans les analyses de ce type-là, diminuer le coût. Maintenant, est-ce que ces installations-là vont vraiment durer 60, 80, 100 ans? On n'a aucune idée, en fait. Là, je ne pense pas qu'il y ait une analyse qui peut être faite de ça. C'est des prévisions, mais c'est basé sur des données au mieux incertaines. Je rentre dans ma dernière minute de questions. Ça fait que ma dernière question serait, donc, si on propose le géothermie, est-ce que ça comprend toute la question du stockage de l'électricité produite par le renouvelable dans votre analyse ou uniquement le coût de production de l'unité l'éolienne ou le panneau solaire et non le stockage? Oui, non, cette analyse-là ne comprend pas le stockage. Lazard a produit aussi un rapport sur le coût actualisé du stockage d'électricité. C'est disponible sur leur site si vous êtes intéressé. Et ce qui compare, là, c'est différentes méthodes de stockage selon le coût. Et le stockage de masse avant distribution aux consommateurs est rendu aujourd'hui à un coût très intéressant. Là, j'ai le rapport devant moi. Ça va dans les, pour 100 MW, 100 MWh, ça va entre 55 et 97 $ pour le stockage de masse, le wholesale. Maintenant, on sait que le stockage est assez avancé aujourd'hui, beaucoup d'avancé dernièrement dans les nouvelles technologies de batterie. Donc, c'est quelque chose qui est encore prévu. C'est toujours des prévisions, mais on prévoit que le stockage, les coûts de stockage vont encore aller en diminuant, puisque c'est des technologies qui existent et qui sont en train d'être améliorées présentement. Merci beaucoup. Mon temps est écoulé. Bonne fin de journée. Bien, merci, vous aussi. Merci, M. Lepage. On va continuer maintenant avec Minister Holland. I understand you have some questions. Bonjour, M. Sapinski. Merci pour ton présentation. S'il vous plaît, je pose mon question en anglais. Oui, aucun problème. Merci. Okay, so a lot of information there. Good presentation. I wanted to talk a little bit about the statements you made about the U.S. market. So what we were talking about is you were talking about the market to be captured, I'm assuming, whether it be through electricity generation or industrial sector. So you're talking about the U.S. companies will dominate that. Was that correct? Yeah, that's what I conclude from the reports I've analyzed. So based on overcapitalization or significantly larger capitalization of projects, larger access to funding and funds by the public sector, or just simply because, you know, big funders like Bill Gates are behind it? Mm. Well, yeah, it's both. As I explained, there's a lot of money poured in by the federal U.S. government in the many billions of dollars. And there's also some financiers like Bill Gates and probably others with deep pockets who believe in that type of technology and who are ready to invest large sums of money to see it emerge. And what that means is that it's the companies that who get that funding who are going to be able to get a leg up in that very competitive market right now. Where's TerraPower on, like, first of a kind and ready to go live?
Yeah, of course, the first one that is ready to go will definitely get a heads up in the market and will be able to capture more market shares. And then, because as I explained, the market is probably not going to be that large overall worldwide, then the industry is going to concentrate. So, and either smaller players are going to exit the field, back to TerraPower, or are going to be bought up by the larger ones. Yes, and so there's going to be concentration of the market. So TerraPower is ready. Mm-hmm. Like, are they ready, prepared for first of a kind there now? Where are they at the start date for first of a kind? Honestly, there's about 10 or 12 companies active in the U.S. right now. I didn't look them all up. I believe TerraPower is fairly advanced, but I base my analysis on the amount of funding available. Okay, so but I want to talk about advanced. What I know is that a NuScale Power is the one that is said to be the most advanced. So you did talk about those technologies being more advanced, though. Can you explain that? I'm sorry, can you say that again? You did mention and talk about those technologies being more advanced than the domestic technologies. I took great interest in that because we have these two technologies here that are rapidly moving through vendor design reviews, CNSC certification, et cetera, and have a trajectory towards a rather quick first-of-a-kind timeline, and you're saying that south of the border they're more advanced. So I want to know, you know, how far behind the eight ball we are. Well, if you just look at the where they are at in the business cycle, so the domestic companies, which are not actually domestic, I think Multics is based in the UK. Yeah. So Multics and ARC, and I think what's the other one, Terrestrial. They're at the fundraising stage. They're raising their early funding. I think they have below around a few million dollars. From the data I could get, I think the people from ARC gave better numbers, of course, more accurate numbers. But they're at the level of raising funds to develop the technology. NuScale has been approved by the U.S. government for construction and for production. They're not ready to move on building. Is that Gen 3? Installations, but they've been approved. Which generation or iteration is that? Is that micro? Is it Gen 4, sodium, salt? I don't know if it's sodium. There's a dozen technologies that are all slight variations on the reason. Well, the reason why I ask is because we have... I'll have to look it up. Yeah, I wouldn't mind because we're making decisions based on that information. All these companies have websites where they detail. They give lots of details on their products. Because we got site but licensing. What I know is that NuScale is much more advanced. And I believe it's NuScale who's already publicly trading. There's one of them that's publicly trading right now. I think it might be NuScale. So I want to compare that to Canadian companies that have their site licensing already. That's why I asked the question. I just know of NuScale. No, but that's why I'm asking. I want to talk about apples and oranges, because if you're talking about, I was not under the impression that U.S. companies were that far along the technological spectrum. We do have site licensing and shovel-ready work being done in Ontario as it relates to Gen 3. So that's why I want to ask the question, is it Gen 3, is it Gen 4, is it micro? That's a very important question to answer. I only focused on Gen 4. Okay, perfect. Yep. So we have to look at everything in a holistic perspective here from all the presenters that we're going to get over the next little while. Mm-hmm. And we had a presentation this morning. We're talking about Bill Gates, large players, big companies, and you're saying they're proposing to launch into this market, and they're ready, and they're going to get there before us. But then we had a presentation this morning that there's no market. Well, who's right? Well, I brought up the both arguments. First of all, I explained why I think there's a very small market at best, probably no market at all. That's based on the analysis of a group of 16 experts in the field who worked for the to produce a report from National Academies of Science, Engineering, and Medicine in the U.S. So that's 16 top of the field people who produced that report. They are very unenthusiastic. Did they quantify about, what that small market prospect would be for markets worldwide? Did they quantify what that small market would be, whether it be in the form of
megawatts to replace or industrial sector opportunity? It's in the terms of a market that would allow for mass production of small reactors. Okay. They don't see a market for mass production before 2050. So let's talk about the levelized cost of electricity study that you have. So that was my first argument. Oh, the second argument, I said, if there were a market that would develop, then what would happen is that the big players would dominate, and there would be that concentration of the players that I described. You're purporting that there are great big companies putting billions of dollars into an industry that might happen, and they're just waiting for us to create it so that they can come in and jump on it? I'm not sure I understand. Well, you had told me that in the event that a market presents itself, and mm-hmm. I'm talking about the Canadian domestic market with the decarbonization of the oil sands, coal plants in Nova Scotia, New Brunswick, Saskatchewan, and the industrial sector. So what I heard you say was, once we start moving into capitalizing on those opportunities, these companies are waiting for us to step into it, and then they're going to come up and eat our lunch? Well, chances are that, yes, that's what I would see happening. Unless there are measures enacted by the government to protect the local market, but that would go quite a bit against free trade principles. Well, About the oil sands, I don't see that as a market because that needs to close down, unfortunately. Are you familiar to achieve climate targets and keep a livable planet? Are you familiar with the MOUs and the interprovincial pan-Canadian agreements and whatnot that we have between many jurisdictions and the Canadian companies, not limited to just the two that presented here today? And that effort was put in place to broker those relationships, to build opportunities to flesh out supply chains and potential markets. That work is going to be so much further advanced than the U.S. companies. And there's no heads up or advantage compared to the companies we have in Canada that have done that work. So I'm still confused as to how they're, it sounds like they're got limited, very similar first of a kind dates. And we have a lot of work that's been done on a pan-Canadian approach to entrench and develop MOUs between jurisdictions, utilities, and a variety of different places. So I'm failing to see where the advantage is. You've got to be careful, and it's great that you're raising it so that we need to be diligent to make sure that we don't fall victim to that, but there are safeguards that we've put in place, and you don't think that they're effective enough. We're still at risk for losing to larger jurisdictions. Well, so the way you see it is developing a strictly Canadian market for the companies that are based nationally. Is that right? No, okay. No. I'm talking about the initial work within the Canadian framework, but there's a lot of industrial opportunity as it relates throughout other areas. The work with our Canadian companies has actually expanded beyond, and we'll take this beyond the footprint of New Brunswick. I mean, our Ontario nuclear sector has got arrangements in Estonia and working in Poland and different European countries. So when I'm looking at it, I'm not seeing the heads up. And I guess, do you know the comparative difference between the regulatory framework in the U.S. versus Canada? Is the regulatory framework in the U.S. restricting them? Or I didn't look at the specifics of the regulatory frameworks. Okay. Usually Canada and the U.S. are pretty similar, but I couldn't comment on the specifics. I wonder if they are, because, I mean, the whole EBR2 was shut down in 1996 or whatever the case may be, because it seemed like it was a political decision at that point to move away from nuclear, not because it was an unviable technology. And I wonder if that hangover on restrictive regulations is giving Canada a leg up. Well, it depends what you call political decision. If the political decision is made because it costs too much, it becomes an economic decision to move away. I don't know. I don't think that was a decision that was based on economics when John Kerry was Secretary of Energy back at that point. I think it was more of a political decision, which led to the advantage that we have because the regulatory framework is so significant there. Well, usually political decisions are made on the basis of sound economic analysis. I don't see why they would just decide to move away from nuclear. That's great. You're giving us a great deal of credit. I didn't study that specific case, so I can't really comment further. No, thank you very much, sir. J'apprécie ton comment et merci pour ton présentation.
OK, merci, merci beaucoup à vous pour vos questions. Beaucoup apprécié. Thank you, Minister. On va tourner maintenant à Madame Mitten. Merci beaucoup. Et merci à vous, professeur Sapinski, pour être là aujourd'hui. Je vais peut-être demander plusieurs de mes questions en anglais, mais vous pouvez répondre en anglais ou en français. So I guess I am very curious about your third slide, structure de l'écosystème de la recherche et développement sur les PRM. And I guess looking at the startups, looking at, as you put it, sort of the ecosystem of research and development on these nuclear reactors, can you speak a bit to the different companies that are in the field and sort of the likelihood that that these ARC and Moltex, which are already being funded publicly and are already in New Brunswick, that they would be able to I guess have a sector of the market. I mean, ARC this morning said that they're looking to corner 16% of the market. Can you speak to that, please? Yeah, honestly, I don't know how companies come up with numbers like that. That would be a best case, like very best case estimate. But even 16% of a small, very small market would not be. I don't know, would that be enough to achieve the cost reductions through mass production of these reactors? That's my whole argument, is that it's that the market is not likely to be large enough to allow for mass production. And then if you don't have mass production of these modular nuclear reactors, you don't have cost savings. They actually cost more to build because they're smaller. And so if you don't have the mass market, there's no business case for any of these reactors. And the point is moot, then we should move on to other technologies. And honestly, I don't think there's any chance of a market. Mr. Holland made me think that perhaps there could be national markets that would develop and protect smaller players in different countries. I mean, the U.S. is the biggest, one of the biggest players in the world. Of course, they're going to pour a lot of funding into the sector. What if their companies can then take over the Canadian market? Well, ARC and Moltex and Terrestrial are not going to, they're probably going to be bought up by the large U.S. players. Now, if the Canadian government is able to enact somehow border restrictions to moving these technologies, then ARC and Moltex would be favored in Canada. But then, would the Canadian market be large enough? I don't know. Mr. Holland was talking about other markets in Europe and elsewhere, and they're probably trying to develop them right now. But that's the same markets that the big U.S. players are going to be competing for. And because I believe they already have a leg up in terms of funding and in terms of advancement of technologies, well, they're likely to corner the global market as well. So I don't really see a business case for funding small nuclear reactors in Canada. Okay, thank you. And I think that's interesting, looking at how much funding may be needed to even figure out if this is doable. In the end, it's still not been done at a commercial scale. I have to say, you just mentioned potentially them being bought up in the future. We are still talking about startups and ultimately private companies that are looking to profit. I have a little bit of deja vu. This has got venture capital vibes. Joy Scientific comes to mind. I think we're a little closer to reality here, but I still am wondering about, they're looking to cash in, they're saying in the next decade, but
you talked about, you know, potentially 2050 in terms of when this might be even possible to happen, and whether this is a good use of taxpayer money, of energy to go towards this compared to renewable energy. Can you speak more to that issue, please? Mm-hmm. Well, yeah, given what I said, I don't think it's a good use of taxpayer money, of course. The good use of taxpayer money in the dire climate emergency we're in would be to put all the money into energy transition, into reducing electricity consumption, into energy efficiency. That's where all the investments need to turn right now, private, public, everything we can, because we're not looking like we're going to be peaking global emissions in 2025. There's some very optimistic scenarios that say it's still possible, but the optimistic scenarios are not what have happened historically. So that's where we're at. We need to halve emissions by 2030. That's 7 years from now. So we're not on that track. It's really important to put all resources to get us on that track as fast as possible. Now, to go back to the first part of your question, to talk more about the high technology markets, because this is a high tech market, we've seen that in the internet industry. We've had a bunch of startups, Skype being one, there's tons of others, and they end up being bought up by larger players, or players who end up becoming larger as the sector develops. So ARK and Maltex and others, other startup strategy might as well be to develop the technology and then be bought up by another player that brings cash to the shareholders, to the owners, to the developers of the technology. That's what's been being done in most business fields. You start a small company and then you get bought up and you cash in. And you can retire, or you can create more startups to start again. So it might be part of their it might be their business strategy. What's certain is that there's going to be a concentration. The NASCM report in the U.S. Is already trying to inch the U.S. government in that direction. They argue that at several places in the report that the U.S. government should now pick a few winners to move forward. And that means the others are going to be left behind. And that's what the funding schemes have been partly. But the report makes it clear that it's now time that there's 10 or 12 different technologies. It's getting time to pick one if you're on the field to go somewhere. Otherwise, you just have all these models competing, and we're not likely to see anything develop. Yep. Okay, thank you. I do want to compliment you on providing us with three very clear slides. Sometimes we, you know, get 200 of them. and so I do think that they're all very interesting. I'm wondering if you could, and you know, the clock's running down, so I'll ask for two questions at once. Could you speak to the, you know, around the investment costs, about the cost of different types of energy, and then your other slide looking at the projections of the International Energy Agency about where things are going in terms of different types of energy, please? Sure, I can go back, go over the slides again. So the analysis for the levelized cost of energy, that's an authoritative report that's used by investors all over the world. So it's not my own analysis, but what the how we read this graphic is that current nuclear is among the most expensive ways to produce electricity. And that's why there's not a huge nuclear market worldwide. There's only a few hundred nuclear power plants across the world. So that hasn't developed because it's too expensive. Now,
the argument of the small nuclear reactor industry is that they're going to be able to reduce these costs and to make them competitive with other ways of producing electricity. And what I foresee is that that's not likely to happen because they're not going to be able to develop a large enough market for mass production, which is what would allow costs to go down. And so that's where we're at now. If costs don't go down, well, then small nuclear reactors aren't going to be just as costly to build and run as regular reactors or older models. And wind and solar and geothermal are going to be more, still going to be more cost competitive. And that's, I think, what the World Energy Outlook report shows. Their report is based on similar data, and they understand that because nuclear energy is so expensive to produce, it's not going to corner a large part of the global energy market. And it's the cheapest energy sources that are going to take over most of the market, as the second graph shows. In 2050, the prediction. These are all estimates based on modeling. It's not like the reality that's going to happen, but it's the best guess, I think, that we can get from these sources of data. And so what we see is that it's very likely that renewables will take over. And so if you have investments to do from a strictly business perspective, you go into renewables because the market is growing right now and it's going to keep growing. Even faster. Okay, thank you. And I don't have very long left. So I guess I'll ask you to briefly summarize. So the types of energy that you from your research would suggest that you know investments be made in. Would be renewables? Yep, absolutely. Okay. Only renewables. Okay. And pull out investments from fossil fuels as fast as possible. Okay. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Ben, merci beaucoup à vous. Merci, Madame Mitten, et merci, Monsieur Sapinski. Je vais vous remercier pour votre présentation aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'informations et aussi, merci pour répondre aux questions de nos membres. Beaucoup d'informations, de bonnes informations et bien fait. À ce moment, si tu veux prendre un moment juste pour finir la présentation, quelques remarques. Je peux ajouter quelques mots. Peut-être juste, je peux redire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est que d'abord, je pense qu'il n'y a pas de business case. Pour l'énergie nucléaire de quatrième génération de petits réacteurs modulaires. Il y a beaucoup d'enthousiasme, comme je vois. Il y a des gens au gouvernement qui sont enthousiastes à propos de ça. Je souhaite aucun mal aux personnes de la compagnie qui ont présenté ce matin et qui vont présenter demain matin. J'aimerais beaucoup voir leur compagnie fleurir. Malheureusement, ce qu'on voit à l'analyse, c'est que les chances sont extrêmement faibles. Et donc, vu ces très, très, très faibles chances-là, pour le moins inexistantes même, ça vaut pas la peine de poursuivre la filière plus avant, je pense. Et donc, on devrait laisser ça de côté, d'autant plus que la filière nucléaire ne permet pas de faire face à l'urgence climatique dans le temps très bref qui nous est imparti maintenant. Donc, il faut transférer tous les investissements vers la réduction de la consommation d'électricité, la réduction, l'efficacité énergétique et, pour finir, les énergies renouvelables qui ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre, qui ont quand même une certaine empreinte environnementale. Hein, on est au courant maintenant des coûts énormes environnementaux et sociaux, les mines de cobalt, par exemple, les mines de tous les métaux qui sont utilisés pour créer des éoliennes, des panneaux solaires, des ordinateurs, des smartphones, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte quand on réfléchit au portefeuille énergétique qu'on veut développer. Est-ce qu'on veut développer une société à haut
besoins énergétiques, où on a besoin de toujours plus d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, ou est-ce qu'on veut réduire les besoins d'énergie le plus possible pour pouvoir garder le développement de la production d'énergie à un niveau raisonnable. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les membres du comité pour m'avoir entendu. Je vous souhaite la bonne journée. Excellent et merci encore.